Il a fallu du courage à Hélène Chalmel pour se lever ce matin et faire sa rentrée des classes. Le 3 décembre dernier, cette enseignante a porté plainte contre 4 de ses élèves pour agressions répétées à caractère sexuel. À son insu et à plusieurs reprises, ils ont filmé sous sa jupe. C'est hyper violent, c'est très déstabilisant, mais c'est aussi très sournois et ça mine, même après coup. On ne sait pas combien de personnes ont été mises dans les réseaux sociaux avec cette photo, on ne sait pas qui est au courant. Je croise encore des élèves dans la rue, là, alors parce que j'habite Caussade. Certains sont bienveillants, pas de problème, mais d'autres, j'ai eu droit à des moqueries dans la rue. Donc ça dure, en fait. Ça dure dans le temps et c'est ça qui est très pernicieux. Des sanctions ont été prises. Un élève a été exclu définitivement, les deux autres provisoirement et changé de classe. Des mesures que ses collègues jugent insuffisantes. On a été très, très, très surpris le vendredi matin en découvrant que sur les 3 élèves qui avaient été en conseil de discipline, un seul avait été exclu, parce qu'on estime que ce n'est pas à la hauteur. On aurait pensé que ces faits-là auraient mérité une plus grosse sanction, en effet. Ce matin, le principal du collège a réuni tous les élèves pour une mise au point, mais beaucoup considèrent cette affaire comme une mauvaise blague. Je sais pas, c'est des petits, ils sont amusés à filmer sur la jupe d'une prof. Hein. Après, ça allait un peu loin, hein. Juste pour une vidéo dessous, ouais. Ça aurait pu s'arrêter là. L'inspecteur d'académie a apporté son soutien à l'enseignante. Il annonce des mesures éducatives. On va travailler probablement avec des intervenants pour travailler ces questions du téléphone portable et de ses effets, ses usages néfastes. Un dernier conseil de discipline doit se tenir aujourd'hui à 17h pour le dernier élève mis en cause. Le procureur de la République de Montauban décidera, lui, des suites judiciaires concernant ces photos.